si on avait cette capacité du véritable dialogue, on aurait la capacité à s'écouter, à avoir un échange réel et peut-être à nous influencer les uns les autres. Please continue watching to find out more. Bienvenue, aimant téléspectateur. Translates to welcome loving viewers in French. I'm Louise. The elated people of France wish that you and your loved ones receive God's love and blessing always. Reverend Father Robert Cullat is a Catholic priest of the Diocese of Avignon, France. He is also known as Padre Bob. Aside from preaching, he is also an environmental and animal activist, as well as a vegetarian advocate. He loves animals and defends them, and is strongly against factory farming. You may be surprised that Father Robert Cullat is well acquainted with heavy metal music and is a metalhead himself. Father Robert Cullat is the author of various books and wrote his first book, L'Âge du Métal, The Age of Metal, in 2007, after coming into contact with heavy metal music. In 2015, he published Méditation biblique sur les animaux, Biblical Meditations on Animals, after discovering the shocking treatment of factory-farmed animals. He also subsequently wrote Le Paradis Végétarien, Méditation Patristique, The Vegetarian Paradise, Patristic Meditations, and Cattle Decapitation, Gore Ecology, 2018. Supreme Master Television was granted the honor of an exclusive interview with Reverend Father Robert Cullat in Paris on December 7, 2020. We will now share with you extracts of this very interesting and enlightening interview. St. Paul VI's encyclical on dialogue has significant influence on the priesthood life of Father Robert Cullat and also his work as a priest. He explains why dialogue is important. Je suis Robert Cullat, je suis né en 1968 à Marseille et depuis 1993, je suis prêtre du diocèse d'Avignon dans le sud de la France. Je crois que la date c'est 1964 si je ne me trompe pas. En 1964, Paul VI écrit un document officiel qu'on appelle dans l'Église catholique une encyclique, une lettre encyclique, qui s'appelle Ecclesiam Suam, dans laquelle en particulier le pape Paul VI approfondit la notion de dialogue. Et le dialogue à tous les niveaux. Déjà, entre quatre, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait le dialogue entre tous les chrétiens, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, entre toutes les religions. Et même, il va encore plus loin, même entre les croyants et les incroyants, les athées. Hein. Et donc il encourage le dialogue, et il explique ce que c'est que le dialogue. Hein. Et je crois que ce texte est toujours très actuel, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société, quand je vois par exemple la plupart des débats télévisés, ou débats à la radio, que ce soit au niveau politique ou sur des grands thèmes de société, tous ces genres de thèmes qu'on peut traiter. Ce ne sont pas des débats. Ce sont des gens qui crient et qui coupent la parole en permanence aux autres, hein, et qui n'écoutent pas, hein, qui ne font pas l'effort d'écouter l'autre. Parce que bien sûr qu'on n'est pas d'accord, mais on est des êtres humains. Et donc, si on avait cette capacité du véritable dialogue, on aurait la capacité à s'écouter,
à avoir un échange réel et peut-être à nous influencer les uns les autres, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc je pense que Paul VI, même au-delà des catholiques, je pense qu'il donne une bonne méthode aux hommes, tout simplement, pour communiquer et pour chercher ensemble la vérité. Parce que pourquoi on débat ? C'est parce qu'on cherche ce qui est bon, ce qui est meilleur, ce qui est vrai pour nous. Voilà. As a chaplain to young people, Father Robert Cullat conducts dialogues with them, and he shares how he ended up researching heavy metal music in relation to faith and eventually writing the book The Age of Metal. Le premier livre, je vous dis, il est sorti en 2007, c'est L'âge du métal. Et puis après, j'ai écrit ce livre hein, qui s'appelle Méditation biblique sur les animaux. Donc apparemment, aucun rapport avec le métal, évidemment, c'est un autre thème, c'est un autre sujet. Et ce livre, il est sorti en 2016. Donc, Cattle Decapitation, ça m'a permis de faire le lien entre ces deux centres d'intérêt. Le premier album est sorti en 2000, voilà, pour donner un peu quand même des repères, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Cattle Decapitation. Et c'est un groupe dont le thème principal est l'écologie. Et dans ce thème de l'écologie, il y a aussi la cause animale, le végétarisme. Voilà. Donc vous voyez le lien entre, évidemment, ce livre, Méditation biblique sur les animaux, et ce livre-là. Comment ce groupe a abordé cette question? Ça me semble intéressant. À travers le prisme de la culture métal. Le leader du groupe, qui s'appelle Travis Ryan, c'est lui qui est en photo, là, derrière, avec moi. Voilà, donc Travis Ryan écrit toutes les paroles. Il faut voir les mots très durs hein, qu'il utilise dans les paroles. Hein. Parce qu'il considère que nous sommes totalement inconscients et irresponsables hein, à de nombreux niveaux. Au niveau de l'écologie, parce que nous ne respectons pas la planète Terre, nous ne respectons pas les animaux, nous les mangeons, nous tolérons les abattoirs, nous tolérons l'industrie de la viande, toutes choses qui pour lui sont absolument horribles, enfin qui ne devraient pas exister dans un monde normal, voilà. Et donc, il souhaite, le métal c'est une musique aussi qui a tendance, qui est extrême, donc toujours tendance à exagérer. Pour donner une idée, si on prend le titre « Cattle Decapitation », ça a un double sens pour Travis Ryan. Ça veut dire évidemment la décapitation du bétail. Donc là, c'est l'allusion évidemment à l'industrie de la viande, au fait que la plupart des humains sont carnivores et que ça ne les gêne pas de manger des, lui il dit des cadavres d'animaux, ce que nous on appelle la viande. Bon. Mais cattle decapitation, c'est aussi le bétail humain. Parce que lui, il renverse les rôles. Et dans beaucoup de ses chansons, c'est l'homme qui est à la place de l'animal. C'est l'homme qui est tué, qui passe à l'abattoir, qui est mangé, qui souffre. Une espèce de vengeance de l'animal sur l'homme. Cattle decapitation. Today, Father Robert Cullat spoke about his vegetarian journey. Pour moi, ça n'a pas été une décision. Vous savez, il y a certaines personnes, ils pourraient dire le jour. Hein, je suis devenu végétarien, c'était tel jour. Non, moi, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a été un processus progressif. Je me suis intéressé au système alimentaire mondial et je me suis dit, c'est une question que tous on se pose, je crois, à un moment ou à un autre. Comment ça se fait qu'il y ait encore de la famine dans le monde? Qu'il y ait encore des enfants qui meurent de faim? Alors que ça déborde de richesses de partout. Certes, il y a des pays dits pauvres, des pays riches. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est une question aussi qu'un homme que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jean Ziegler, qui est un Suisse, et qui a été observateur à l'ONU pendant des années sur la question de l'alimentation au niveau mondial. Quand il parle, Jean Ziegler, qui est un spécialiste de la question de la famine
de l'alimentation dans le monde, il dit de manière très crue, chaque enfant qui meurt actuellement, c'est un crime. Il utilise le terme de crime. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, on pourrait l'éviter. On peut absolument éviter tout ça, mais ceux qui nous gouvernent ne le veulent pas. Je me suis intéressé à cette question de l'alimentation. Pourquoi il y a la famine? Pourquoi tout ça? Logiquement, au bout d'un moment, si vous étudiez ce thème, forcément, vous allez tomber sur un sous-thème qui s'appelle « industrie de la viande ». C'est inévitable. Surpêche. Et là, vous commencez à comprendre des choses. Et vous vous dites, tiens, la déforestation dont on nous parle tant en Amazonie ou en Indonésie ou ailleurs, c'est pourquoi on massacre ces forêts qui sont un patrimoine extraordinaire de l'humanité et qui en plus sont vitales pour notre survie. Ben, par exemple, si on parle, pas pour l'Indonésie, mais si on parle pour l'Amérique latine, le Brésil, enfin ces pays-là, bon, c'est pour faire des cultures intensives de soja, par exemple. Bon, souvent en plus du soja OGM, vous voyez, bon, tout ça c'est merveilleux. Et ce soja, il sert à quoi? Il ne sert pas à nourrir les Brésiliens. Le Brésil, c'est au contraire un des pays où il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de famine, mais il va servir à nourrir les porcs de Bretagne, dans nos élevages en Bretagne. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait cette industrie de la viande. Hein. Et à partir de ce moment, je me suis dit, tu ne peux plus cautionner, encourager par tes achats ce système qui est mauvais, qu'il faudrait absolument supprimer le plus rapidement possible. Évidemment, j'ai pensé aux animaux, eux-mêmes, pas seulement aux dégâts écologiques de cette industrie de la viande. Je reviendrai aux animaux, mais aussi au fait que, bon, les chiffres exacts, je ne les ai plus, mais ils sont sur Internet, tout le monde les trouve, mais je crois que c'est à peu près, si je me souviens bien, c'est à peu près 70% des terres cultivées dans le monde ne servent pas à nourrir les humains directement, mais servent à nourrir les animaux d'élevage. Vous vous rendez compte? La perte d'énergie, la famine, là aussi, hein, on pourrait la résoudre assez facilement hein, si on supprimait la viande. Et après, évidemment, je suis intéressé, bien sûr, aux animaux eux-mêmes. Alors, les animaux d'élevage, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous savez. Enfin, voilà, il y a le porc, le poulet, les veaux, c'est pas très varié. Hein. The role of the church in driving awareness and ending the atrocities that animals are subjected to, and the daunting climate change that is chiefly due to animal factory farming, is of key importance given the high percentage of the world population being Christian. Father Robert Cullat speaks of the progress of the church regarding this matter. Je pense que si on parle d'avancée de l'Église, évidemment, le texte fondamental, c'est encore une fois l'encyclique du pape François, Laudato si, 2015. Il nous invite clairement à reconsidérer la notion de création. Parce que finalement, je crois que le grand problème qui a été pendant des siècles de christianisme, c'est que cette notion de création était très théorique. Hein? On ne faisait pas le lien entre ce qu'on disait le dimanche, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. On ne faisait pas le lien entre ça et puis ce qu'on faisait dans la vie de chaque jour. Vous voyez, c'était un peu théorique. Hein? Et je crois que le pape François remet du concret là-dedans. Il nous dit, écoutez, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous croyons que tout vient des mains de Dieu, si nous croyons que tout vient de l'amour de Dieu, alors on ne peut pas considérer, encore une fois, les animaux comme des objets, les maltraiter, les faire souffrir, etc. Il y a une cohérence. Donc je suis content de voir clairement cette avancée, ce progrès,
de la doctrine de l'Église, cette prise de conscience. En fait, c'est la crise écologique, je pense, qui a poussé l'Église, comme elle a poussé certains hommes politiques, comme elle a poussé vous et moi, tout simplement, à prendre conscience. Donc, je suis content de cette prise de conscience. Je vais lire trois passages qui semblent inviter vraiment les chrétiens dans le monde à se remettre en question. Je vais citer le numéro 230. Et en le citant, je vous le commente parce que vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. Une écologie intégrale. Ah oui, alors ça, c'est le concept que lui, il a créé. Intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend en considération tout, l'humain et toutes les créatures. Et le pape n'arrête pas de dire, tout est lié. On ne peut pas séparer. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens. Vous voyez? Il descend dans le concret, hein, par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Alors, évidemment, il ne parle pas, hein, de l'industrie de la viande, mais excusez-moi, la logique de la violence et de l'exploitation, de l'égoïsme, c'est une bonne définition de l'industrie de la viande, vous ne trouvez pas? Elle est parfaite. Donc il faut la rompre, cette logique. Et la suite. En attendant, et ça c'est très intéressant, le monde de la consommation exacerbée, la surconsommation de beaucoup de choses, mais aussi de produits animaux. Évidemment, de viande. Donc le monde de la consommation exacerbée est en même temps le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. Mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. Là encore, c'est une parfaite définition de ce qu'est aujourd'hui l'univers de l'industrie de la viande, des abattoirs, des élevages industriels et tout ça. Le mauvais traitement de la vie. Hein? Voilà. Et en gros, c'est intéressant parce que le pape dit, ben finalement, pourquoi il y a un mauvais traitement de la vie? Alors il ne dit pas dans l'industrie de la viande, bon, mais quand même, on peut penser que ça en fait partie. Ça, c'est la première citation. Une deuxième citation au numéro 220. Ça, c'est toujours au niveau du pape universel. Cette conversion. C'est un mot fort, hein, parce que la conversion, d'habitude on en parle quand on passe de l'incroyance à la foi. Hein. Cette conversion écologique implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnectée des autres créatures. Et le pape insiste beaucoup sur le fait que, certes, l'homme et la femme sont uniques, mais ils font partie de la famille des animaux. Et plus largement de la famille de toutes les créatures. Et d'ailleurs, je rappelle, en commentant ce paragraphe, que dans le premier chapitre de la Genèse, c'est très intéressant, les animaux terrestres sont créés le même jour que l'homme et la femme. Hein? On n'a pas séparé la création des animaux terrestres de la création de l'homme et de la femme, c'est le même jour. Les poissons et les oiseaux, eux, sont créés avant. Je reviens au texte. Donc, la conscience amoureuse de ne pas être déconnectée des autres créatures, de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle. C'est magnifique. Une belle communion universelle. Et là, on voit Isaïe. Enfin, relisons Isaïe chapitre 11, c'est exactement ça. Cette belle communion universelle. Le croyant ne comprend pas sa supériorité, parce que le pape maintient qu'il y a une supériorité de l'espèce humaine sur les autres espèces animales, comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, irresponsable, mais comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi. Grave responsabilité. Si on est
les prêtres de l'univers, si on est les rois de la création, eh bien, on a une grave responsabilité vis-à-vis des autres créatures. Hein, donc, attention. Là, je crois que c'est très très clair quand même. Today, Father Robert Cuillat shares another quote, 221, from the Laudato Si 2015, calling all Christians to make the explicit change and to live in harmony with our animal friends and the surroundings. Et un dernier passage, c'est le numéro 221. J'invite, là, c'est l'appel du pape, hein, j'invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion, hein, à rendre explicite, concrète, en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s'étendent aussi à leur relation avec les autres créatures, donc avec les animaux, ainsi qu'avec le monde qui les entoure, et suscite cette fraternité sublime, tout à l'heure on avait communion universelle, il me semble, oui, communion universelle, maintenant fraternité sublime, avec toute la création que saint François d'Assise a vécue d'une manière si lumineuse. Father Robert Cuillat further goes on to explain the misconceptions by many Christians who think that eating meat is okay, which is actually forbidden. He elaborates on the verses quoted from the Laudato Si and the Bible that advocate veganism, vegetarianism, as highlighted in his book, The Biblical Meditations on Animals, as well as the surprise discovery of Genesis verse 29-30, which dictate vegan diets for all. Le titre, si vous voulez, pourrait prêter à confusion, parce que, bon, méditation biblique sur les animaux. Contrairement à d'autres prêtres qui ont fait un autre type de travail, le but de ce livre n'est pas de recenser tous les animaux qui sont cités dans la Bible, de faire une espèce de zoologie biblique. Hein. Bon, ça ne m'intéresse pas de faire des listes, pour moi, ce n'était pas mon but. Mais le but de ce livre, c'était... Bien, la relation que nous, humains, nous avons avec les animaux et dans le cadre de notre relation avec Dieu, dans le cadre de la foi évidemment, puisque c'est la Bible, c'est un livre religieux, sacré. Voilà. Donc, je suis allé à la recherche des textes qui me semblaient intéressants pour donner une lumière, une sagesse, pour nous, sur ce, voilà, comment, quelle doit être notre relation avec les animaux. Et je dois dire que la plus grande découverte que j'ai faite, parmi tous les textes que j'ai étudiés, que j'ai expliqués dans ce livre, la plus grande découverte, bizarrement, et ça c'était une expérience aussi intéressante parce que ça montre que un croyant, même un prêtre, un croyant qui lit la Bible, il va y trouver quelque part ce qu'il cherche. Je m'explique. Hein. C'est-à-dire que moi étant devenu végétarien, ayant acquis cette sensibilité particulière pour les animaux, pour les autres créatures, ça m'a permis de repérer un verset que j'avais lu peut-être des centaines de fois auparavant, et qui ne m'avait jamais touché. C'est bizarre, hein? Vous voyez, bon. Et ce verset, c'est le verset 29 du premier chapitre de la Genèse. Je redigme pour ceux qui nous écoutent que dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, vous avez deux chapitres, les deux premiers chapitres qui présentent deux récits différents de la création du monde et de tout ce qu'il contient par Dieu au commencement. Le premier récit auquel je fais allusion maintenant est organisé selon un schéma de 7 jours. Il prend la semaine humaine, hein, et puis il dit voilà, premier jour, etc. Il décrit tout ce qui est créé au fur et à mesure par Dieu. Bon. Et une fois que la création est achevée, au 6e jour, on arrive au verset 29 et 30.
Et dans ce verset, Dieu se dit, ben, c'est très bien, j'ai créé les animaux, j'ai créé les poissons, j'ai créé l'homme et la femme. Bon, mais il faut que je leur donne une nourriture. Là, on voit que dans ces deux versets que Dieu donne autant aux animaux qu'à l'homme et à la femme un régime qu'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui, évidemment la Bible n'a pas ces mots, ce serait un anachronisme, mais aujourd'hui on appelle ça un régime végétalien. C'est-à-dire que Dieu clairement dit, ben, vous allez vous nourrir des fruits, des graines, des légumes. Et donc, vous n'allez pas tuer les animaux pour vous nourrir. C'est pas ma volonté. C'est pas dans le programme. Je pense que c'était la grande découverte qui m'a beaucoup marqué. Et après, je me suis dit, pourquoi ce verset, il est tenu un peu caché, on n'en parle pas. Voilà. Pourquoi personne n'en parle? Saint Paul, je crois qu'il y a, il y a trois textes qui me semble très important pour ce thème. Il y a le texte de la lettre aux Romains, qu'on appelle souvent les gémissements de la création. Donc je vais vous donner les références précises peut-être. Voilà, donc c'est la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 22. Et là, en effet, il y a l'idée très belle chez Paul que le salut apporté par le Christ est cosmologique. C'est-à-dire que finalement, c'est le salut de toute la création, hein, et pas seulement de l'homme et de la femme. Parce que si vous voulez, classiquement dans la théologie chrétienne, et là il y a une logique évidemment, les animaux n'ont pas péché. Les animaux sont innocents. Hein? C'est uniquement l'homme et la femme qui pêchent, qui ont péché. Donc, évidemment, à partir de cela, on a dit le salut n'est que pour l'homme et la femme. Hein? Il y a une logique, évidemment. C'est logique, puisque c'est l'homme et la femme qui ont péché. Mais Paul considère, et le pape François reprend beaucoup cela dans son encyclique, il considère que toutes les créatures sont solidaires les unes des autres. Nous sommes une unique famille, avec les différentes espèces, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'un homme, c'est pareil qu'un chat ou qu'un chien. Évidemment, c'est différent. Mais nous sommes tous solidaires dans la création. Et donc, le Christ ne peut pas sauver seulement une partie de la création. C'est un salut cosmologique. Après, il y a deux autres textes de Paul qui sont très intéressants. C'est dans la lettre aux Colossiens et dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1. Chaque fois, c'est le chapitre 1. Donc, je vais lire un passage. Là, on est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Et voilà ce qui est dit. Dieu projetait de saisir l'univers entier, voyez, comme c'est, hein, c'est pas seulement l'homme et la femme, hein, l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Hein? Et si on prend la lettre aux Colossiens, c'est encore plus fort ce qui est dit. Parce que dans la lettre aux Colossiens, donc chapitre 1er, je vais d'abord commencer par le verset 16. Au verset 16, on nous dit, Paul nous dit que tout est créé par le Christ et pour le Christ. Et la fin de ce hymne dans la lettre aux Colossiens, Dieu a voulu que dans le Christ, vous voyez, toujours dans le Christ, toute chose, tout, hein, pas seulement l'homme et la femme, ait son accomplissement total. Il a voulu tout, hein, à chaque fois, il insiste toujours sur tout, réconcilier par lui et pour lui
sur la terre et dans les cieux. Vous voyez, c'est très large, en faisant la paix par le sang de sa croix. Voilà, donc on voit bien que le sacrifice du Christ, pour Paul, ne concerne pas seulement le salut de l'homme et de la femme, mais il concerne le salut de tout le créé, de toute la création. Évidemment, c'est beaucoup plus beau. C'est une très belle vision. Et le pape François, donc je vais vous le citer parce que je pense que c'est intéressant de le citer, reprend dans son encyclique Laudato Si, il reprend donc l'idée de la finalité. Vous vous rappelez, je disais tout à l'heure, bon, traditionnellement, c'était la doctrine classique de dire les animaux ont été créés pour l'homme. Hein, et on retrouve encore ça dans le catéchisme officiel de l'Église catholique. Hein, c'est encore dit comme ça. Hein. Mais je crois que le pape va plus loin. Il fait avancer cette doctrine en conformité avec saint Paul, parce que voilà ce qu'il dit. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Hein? Mais elles avancent toutes avec nous et par nous. Alors vous voyez, c'est bien cette formulation, parce que ça montre à la fois avec nous. Ça veut dire que, comme je disais, c'est la solidarité entre toutes les créatures et par nous. La vision du pape, c'est que l'homme est le prêtre de l'univers et qu'il a une fonction unique, en particulier vis-à-vis des animaux, de faire la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, hein, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Et vous voyez, comme le pape François là, reprend bien Paul. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Dans la théologie classique traditionnelle, il n'y a que l'homme et la femme qui sont appelés au paradis, au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que je lis dans Laudato Si, donc dans l'encyclique du pape François? J'ai relevé deux citations qui me paraissent très fortes. Et encore une fois, là, on sent que le pape, il ne reste pas à cette doctrine classique, mais il va de l'avant. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité, Jésus, les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Un destin de plénitude, hein? Il dit pas le paradis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Même les fleurs des champs, vous voyez, pas que les animaux, même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillé Jésus a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Deuxième citation, toujours dans Laudato Si, la vie éternelle, et là, voilà, là, il parle carrément de la vie éternelle, sera un émerveillement partagé, où chaque créature, donc c'est pas limité à l'homme et à la femme, hein, chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Numéro 243. Alors, dans cette vision où l'homme est prêtre de l'univers, c'est une très belle vision, hein, justement, qui ne nie pas, encore une fois, qu'il y ait une différence entre les animaux humains et non humains, de parler du fameux verset 28 du chapitre 1er de la Genèse. Hein, parce que c'est ce verset qui a créé une espèce d'incompréhension totale entre les mouvements écologistes et le christianisme. Hein?
Je vais vous lire ce verset parce que c'est vraiment le verset qui pose problème, mais faussement, parce que si on l'interprète dans le contexte du premier chapitre de la Genèse, des deux premiers chapitres de la Genèse et de la Bible, parce que voilà, le contexte il s'élargit, il n'y a aucun problème. Donc je lis ce verset, Dieu les bénit, l'homme et la femme, et leur dit, Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Alors, soyez les maîtres. L'homme prêtre de l'univers, qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset, souvent on le cite seul et on ne cite jamais le verset qui suit. Or, il se trouve que le verset qui suit, c'est le verset dans lequel Dieu donne à l'homme et à la femme le régime végétalien dont on a parlé. Donc, si on met tout ça ensemble, on comprend bien que cette domination de l'homme sur les autres créatures ne peut pas être une domination violente, arbitraire, despotique, mauvaise. Ça serait contradictoire dans le texte. Dans les versets qui précèdent 26 et 27, qui sont très très connus, tous les chrétiens connaissent ça par cœur, hein, le verset 29, personne ne le connaît, mais alors ceux qui sont avant, bizarrement, on les connaît très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui est dit? Faisons l'homme et la femme à notre image et selon notre ressemblance. Hein? Donc, si je résume, hein, l'homme et la femme donc sont rois de la création, mais le mode d'emploi, il est donné de leur royauté. C'est pas, Dieu ne dit pas, vous êtes roi comme vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est pas du tout ça. Vous êtes roi parce que vous partez, premièrement, vous participez à mon autorité de père créateur. Et deuxièmement, vous allez être roi en imitant mon attitude de père. Donc, il est exclu, encore une fois, d'avoir une royauté tyrannique de la part de l'homme. Et le livre des Psaumes, qui est merveilleux de ce point de vue-là, nous donne le mode d'emploi de la royauté humaine sur les créatures et sur les animaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu est bon envers les animaux, s'il s'intéresse à eux, s'il les aime, s'il est un père pour eux, ben, si l'homme représente Dieu sur terre, ben, il va devoir agir de la même manière. C'est logique. La plus grande surprise, comme je vous l'ai dit, c'est la découverte de ce verset 29. Enfin, oh, découverte, redécouverte. Isaïe, au chapitre 11, c'est un texte très connu. C'est une prophétie messianique, donc qui annonce la venue du Messie. Et donc c'est un texte qui se conjugue au futur. Par exemple, on dit le loup habitera avec l'agneau, etc. Et dans cette très belle vision d'Isaïe, en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une réconciliation universelle entre les animaux, déjà. Donc il n'y aura plus de violence entre les animaux. Hein. Le lion, ben, voilà, il mangera plus, il va pas tuer la gazelle pour se nourrir. Mais de la même manière, il n'y aura plus de violence entre les animaux et les humains. Isaïe nous fait contempler un monde réconcilié. Et finalement, c'est vrai que c'est très intéressant de lire ce texte d'Isaïe 11 en parallèle avec Genèse chapitre 1. Parce que Genèse chapitre 1, on a le projet créateur de Dieu au commencement. Et Isaïe 11 nous montre qu'à la fin des temps, dans le royaume de Dieu, ce sera comme un retour à cette volonté qui était à l'origine.
et qui malheureusement, à cause du péché de l'homme, à cause du mal, ben, a été voilà, détourné, oublié, méprisé. Enlightened viewers, it's been a pleasure to have your company for today's Words of Wisdom. We are so grateful to Father Robert Kula for sharing his messages with us. We all have a responsibility towards other creatures, and we should all live in harmony with our animal friends by being vegan. Coming up next is a memorable mid-autumn festival celebration with Supreme Master Qinghai, vegan, part 2 of 8, right after Noteworthy News. May celestial light and sound accompany you always. Vegan, 'cause we are responsible for our own survival. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.